une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous viennent dans l'abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remettons cet instant, nous te bénissons de pouvoir nous l'accorder et nous te demandons d'être attentif à nos prières. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit en nos cœurs. Donne-nous attentifs à ce que tu nous dis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Nous avons... 224. Voilà. Nous allons chanter le cantique 173 en boulou, en français, 224. C'est ça, bien offert. C'est bon. Zabetate, mieux alors. Allons-y. Zabetate, mieux alors. Allons-y. Zabetate, mieux alors. Dikazou, mieux alors. Zabetate, Tingaman, Zao Nyong Nyong Di. Faveden, Zabenye, Jewa Betayang Den. Faveden, Zabenye, Zao Nyong Engongole bia fowo te kebeta yene vai yewa viane tabenale akoto zene dwe faveden zabenye yewa beta yange nous allons lire dans Romains au chapitre 9 les versets 31 à 39. Au chapitre 8 les versets 31 à 39. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie. Qui condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons lire le commentaire. Sûr de ton amour, la création est en devenir, et le combat de la foi toujours d'actualité. Le croyant ne peut imaginer être épargné par l'adversité. Peut-être même le doute va-t-il l'assaillir. Les occasions de chute sont parfois mystérieuses, à l'instar des puissances et des dominations que l'on a du mal à définir. Mais Christ lui-même nous précède dans l'épreuve et dans la résurrection. Par sa victoire sur le mal et la mort, il est devenu notre avocat, et sa croix est le plus imparable des plaidoyers contre l'adversaire. Le diable est vaincu. L'amour de Dieu vient à bout de toutes les tentations du désespoir. Il est une consolation à toute tristesse. Il est surtout l'assurance d'un soutien sans faille dans l'adversité. La mort elle-même a perdu,
même si sa morsure est toujours cruelle. Christ nous précède, suivons-le sans crainte, sûr de son amour. Amen. Amen.